Re-ou, bonjour. Donc finalement ma pause dont je vous causais, soit l'épisode précédent, soit directement avant, a duré une semaine. En effet, elle a duré une semaine et j'ai eu le temps de poster l'épisode 1 et les retours ont été excellents et je suis très content. Donc je vais retenter la course comme l'autre fois, comme tout à l'heure où il y a un épisode du midi à une semaine, je sais pas. Mais bon, c'est l'ennui de pas timer les épisodes, mais bon. J'essaierai de le faire quand je pourrai, ce serait peut-être un peu mieux, mais bon. Et Mario, c'est parce qu'on a rentré, tu as vraiment battu le roi Bobomb, cool. Tu vas être vachement fort et rapide, mais tu es aussi rapide que moi que par vidéo, je crois bien que non. C'est-à-dire, bon, je... Oh. Si tu spams, ça lance pas la course. En fait, il court très lentement. Cette fois-ci, je le bats à peu près à coup sûr, vu que je repars sur une nouvelle base. J'étais un peu fatigué au moment du tournage. Bon, par contre, je parle pas beaucoup, je m'excuse. C'est juste que ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné de vidéo, tout simplement, avec la team ou autre. D'ailleurs, c'est un petit peu dommage. Je vais faire ce que je pourrais. Et merde. Bon, c'est vraiment pas simple de gérer avec la team, mais bon. Ce qu'on va faire notamment sur Minecraft entre autres. Mais si vous êtes là et que vous connaissez pas, que vous êtes pas abonné, c'est que vous êtes là pour un let's play de Super Mario 64. Alors je vais pas vous rabattre les oreilles avec Minecraft. Alors, on esquive les boules. On prend le téléporteur, même si ça m'étonnerait que ça marche. Ça marche pas. Même si je crois que j'avais déjà vérifié avant et que ça se répète du coup. Et bon, je vous rappelle que ça fait que mon tournage date d'il y a assez longtemps, une semaine, pour être précis. Bon, bah je sais pas trop comment j'ai esquivé, mais en tout cas j'ai esquivé. Oh tiens, un cœur. Les cœurs, c'est toujours positif dans les jeux vidéo. Et Yolo Swag. Je suis Prums. J'ai battu le roi. Yolo. Bon, je sais pas trop comment quand il va arriver. Ah bah, je crois qu'on va avoir une réponse assez rapidement. Coup par rapido qui court à 2 km/h. Ouais, tu es vraiment rapide pour un abo. Tu y as de l'espace. Tiens, tu l'as mérité. Je sais, je mime très mal le mec essoufflé. Oh. Pourtant, ça m'arrive assez souvent. Dès que je cours, en fait, je suis essoufflé. Mais bon, voilà. Bon, j'ai remarqué que des fois, ça lague un tout petit peu la vidéo. Ça arrive des fois. Je m'en excuse. Meilleur score. Like a boss. Donc, je suppose qu'on aura débloqué une nouvelle étoile. Canon vers l'île perchée. Et donc on repart dans le même monde. Dans ta face. C'est vachement stylé ça par contre. Oh, où est-ce que tu vas? What the fuck. J'ai l'impression de refaire constamment le même niveau par contre. Et je crois me souvenir d'un truc que j'avais vu sur un morceau de display. Je vais faire ça. Voilà. Ah, ça libère une étoile. C'est ça, c'est bien ce que je pensais. Et ma faille connaître l'astuce. Et j'ai envie de dire, comme quoi, le fait que ce soit pas complètement social blind m'aide un peu. Bon bah. On a débloqué un truc assez intéressant visiblement. Je crois qu'on va pouvoir un petit peu plus avancer dans l'histoire à partir de maintenant, vu qu'on a débloqué des trucs intéressants. À savoir ça. Oui. Quand c'est la puissance d'étoile, la porte s'ouvre doucement. Boum.
Ça quiz comme un sas de Star Trek. Ok. Merci connard. Ok, saleté de Bowser. Je vais peut-être accélérer cette phase au montage, désolé pour la mini coupure. C'est pour moi, c'est obligatoire, c'est un rappel mémo technique de la mort qui tue. Oh, une vie cool. Te barre pas, connasse. Bon bah, dommage que Mario ne soit pas maniable. Bon bah, je commence à plutôt pas mal me débrouiller là. J'esquive tout, bois, Feshroda. Ouais, des pièces, c'est génial. Avec la mania, l'idée me fait peur. Oh mon dieu, c'est pas possible de faire des petits mouvements dans ce jeu. Alors, c'est par où à partir de là? Bon écoutez, tous les jeux Mario du monde, faut aller à droite ou en haut. Et je meurs comme une merde. Je vais essayer de faire un long jump, passer de l'autre côté. YOLO! Et mince, ça marche pas. Bon bah on speedrun, écoute hein. Putain, il me Ah bon, on va trouver un moyen. Mais bon, on va le faire ce niveau hein. Même s'il faut que je coupe des trucs au montage. Like a bounce. Like a boozer. Je sais pas si on l'a déjà fait beaucoup, le jeu de mots du Bowser, mais en tout cas... En tout cas, c'est de la merde ce jeu de mots. Oui, une vie. Pas mal. Je dois avouer que je ne dis pas non à une vie de temps à autre. Salaud. Ça va où? À partir de là, on avance sans trop galérer. Des pièces pour se remettre full life. Et je vais pas prendre les pièces rouges, je sais pas exactement ce qu'elles... Est-ce que je peux tuer un chaton? Hein? Dites-le moi. Est-ce que je peux tuer un chaton? Si tu veux. Je sais pas si je peux tuer un chaton, mais en tout cas... Mais en tout cas, je vais le faire! Eh bah oui, c'est bien ce que je pensais, il y a un mur invisible, hein, écoutez... Écoutez, à ce niveau, on va le faire. Quoi qu'il nous en coûte. Même si on est obligé de faire des actions suicidaires, mais assez yolo soit comme celle-ci. Allez, on continue d'avancer. Désolé, tout en train des petits bruits, légers. C'est IRL que on peut pas toujours réunir des conditions de tournage parfaites. Mais bon, je pense que ça se rend pas tellement, donc... J'aimerais pas trop faire game over là par contre. Parce que ça me ramènerait en haut du château et puis... Et puis reviens. Merci. Putain Bon bah j'ai envie de faire Alt F4 avec mon émulateur mais bon... On va éviter parce que ça va couper la capture.
Parce que oui, la TF4 c'est tout le temps ma réaction quand je rage un peu. Sinon, j'ai pour projet un petit peu, je sais pas ce que j'en pense, ce que vous en pensez, mais de faire une vidéo FAQ de questions que je me pose à moi-même. Bon. Bon, on va faire d'autres niveaux, écoutez, après s'être refait, il y a un bon nombre de fois ici. Ah merde, ça c'est l'étoile secrète. Hein. Faudrait peut-être éviter parce que... il n'y a qu'une seule mission en fait. Ah la mission de sous-marin ça. Ok. Faut pas chercher à comprendre. Piller le bateau coulé. Piller le bateau cool, C-O-O-L, mais bon. Je pense pas. Ça m'étonnerait venant d'eux. Ouais. Oui, je sais. Tout ça pour ça. Un autre panneau ici, ça peut être sympa. Désolé. On a très légère interruption. Oui, bah ça, vous me l'avez dit au tout début d'une... Ah, je me souviens, la maniabilité du truc était juste infâme. Je vais pas essayer d'aller trop profond, je vais pas faire mon suicidaire comme l'autre fois. Hop, voilà. Ah, stylé ça. Portail de... Je suis pas content. Scrogneux, pas content. J'aime pas ce niveau, je dois avouer. Bon, tu avances, petit Mario. Et Bowser, il nous a bien trollé avec son niveau fantôme, là, un peu. Pas à faire un saut sur le côté, tiens. Ah ça non. Non, je vais y arriver, je vais y arriver. Bordel de... Non, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire, toi? Eh mince, caméra de merde. Les frères à qui tu... Vous êtes des trolls. Bon, bah, moi, j'ai envie de dire... Voilà. Pourquoi? Parce que ce niveau aquatique me saoule, mais genre, complètement. On va aller faire autre chose, parce que... Forteresse Swamp, par exemple, qui m'avait fait bien failler... Je préfère encore ce niveau au niveau aquatique, je dois avouer que... Bon, on a fait pas mal de choses inutiles du coup, mais bon. Mais bon, j'ai envie de dire que c'est pas grave, donc... Il faut savoir aussi quel niveau j'ai sélectionné. Est-ce qu'on voit pas comment Bowser il met des pièges comme ça dans le château de Peach quoi? C'est le château de Peach quoi, c'est de pistache. Et si on l'appelait pistache. En haut de la forteresse. Bon, on va aller en haut de la forteresse en mode speedrun, écoute. Hein, histoire de pas encore plus gâcher cet épisode.
Ouais, oui, ils sont souriants, les messieurs. Ou bien c'est juste une illusion. Je dois avouer que j'étais pas vraiment un PGM, hein. À l'époque, quand je faisais sur la France en la sombre. Faut dire que c'est... Oh, mince. Bon gars, dans ta face. Non, non, je te jure que... Quand même. Voilà, au moins ça me rajeune ma life. Ah, attention. Ce jeu a une maniabilité de merde. Ah. Oui, désolé pour les puristes, mais ce jeu, sa maniabilité est juste infâme. Et quand je dis infâme, je parle d'infamilité, d'infamitude. Bon. De quoi pourrais-je vous parler en attendant que je remonte ça? Y a un mec que je citerai pas qui me propose de faire des jeux vidéo. Auquel j'ai pas envie de jouer vraiment. Et que donc du coup ça nous embête. Non! Tiens, bah j'ai coupé en mots le mot edit. J'ai réussi quand même. Et j'ai fait deux ou trois essais pendant que j'ai fait mon ellipse là. Je vous garantis que j'ai un peu ragé aussi. Et je vous ai épargné ça pour votre plus grand malheur. Oui, c'est bizarre ce que je viens de dire, mais bon. Peu là, abruti. Pourquoi les ennemis de Mario 64 sont-ils toujours stupides? Non. Forever Alone Platform. Oh, c'est plutôt moi qui Forever Alone par rapport à plateforme. Pourquoi dans Mario, quand tu tournes un tout petit peu... Il m'a déformé. Quand tu tournes un tout petit peu, ça se fait faire des grands mouvements bien amples. T'as vu là? Là j'aurais dû juste changer d'orientation. What? WTF, WTF, WTF. Je chante tellement faiblement que personne ne m'entend. Et c'est pas, ça pas plus mal pour vous, j'ai envie de dire. Des fois quand je monte des MVO, la série Minecraft hein, pour ceux qui sont pas abonnés, et ben je me dis mais je chante tellement mal que j'ai envie presque de couper ce moment là au montage. Généralement je le fais pas pour garder ça pour le lol. Mais des fois, un petit peu monte. Mais bon. Ah ok, ça monte. Ça se rétracte pas. Ah bah l'étoile est là. Et bon, pendant que je causais d'autres séries, j'ai gagné le niveau, voilà. C'est pas mal, donc. Ah, on retourne sur un autre niveau ou pas? J'essaie de faire un sur 100% même si c'est franchement pas simple dans le jeu. Il y a Toad que je trouve toujours très mal modélisé, en tout cas son visage, il est moche. Qu'est-ce que c'est ces étoiles dans le jeu? Certes. Tu veux revoir des ennemis que tu as déjà vaincus. Bon, personnellement, quand je tue quelqu'un, j'ai pas tellement envie de le revoir. J'ai pas envie qu'il me dénonce à la police. Car oui, je suis un assassin, c'est bien connu. Je m'en vais. Je crois que j'ai jamais autant détesté un océan. Bon, du coup, bah, il n'y a pas 36 millions de choix, j'ai envie de dire.
Je sais pas trop ce qu'il y a là, mais bon... Ah, c'est la neige, c'est vrai. Eh ben, j'ai envie de dire... Allons que le swaguer sous la neige. Course du pingouin. Ah ah ah. Celui-là, je sais ce que c'est. Et je sens qu'on va s'amuser. On va passer une bonne journée.